Frédéric Fruteau de Laclos est maître de conférence en philosophie ici à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a consacré ses premiers travaux à Émile Meyerson, hein, qui est un personnage, on dit, méconnu, un grand épistémologue, mais enfin, il est quand même assez largement méconnu. Il a travaillé aussi sur les rapports entre sciences humaines et philosophie en France au XXe siècle. Ses travaux actuels portent sur certaines figures, majeures aussi bien que mineures, de la pensée française contemporaine. Et aujourd'hui, il nous parle du « dit des hommes » ou « dit des phrases », un problème politique. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je ne traiterai pas ce problème je ne l'aborderai pas précisément parce qu'il s'est avéré que j'avais commis un grossier contresens sur la pensée de Lyotard qui ne me permettait pas d'aborder ces questions comme je l'aurais souhaité. Le contresens initial porte sur le statut de la narration et la manière dont, progressivement, Lyotard est amené à la faire jouer, par-delà la période dite libidinale, par-delà l'économie libidinale, ce qui se stabilise plus ou moins dans la condition postmoderne. J'ai cru que je pourrais faire de la narration, de l'idée que Lyotard se fait de la narration, un usage postmoderne en un sens qui n'est pas adéquat au sens de Lyotard. Je dis en un mot pourquoi et je précise immédiatement les raisons pour lesquelles maintenant il me semble plus raisonnable de suivre Lyotard. Je reviendrai ensuite sur ce qu'il me semble pouvoir possible de dire à partir de la narration qui ne se réduit pas strictement à ce que Lyotard dit lui-même. Alors, le point de départ de ces investigations, de mes investigations sur Lyotard, concerne la sortie hors de la bande libidinale, de la bande d'intensité libidinale, telle qu'elle est décrite dans Économie libidinale. Mon point de départ, c'est cette étrange convergence, très signifiante convergence, entre Lyotard et Deleuze dans les années 70, notamment tout ce qui se trame autour de Vincennes. Il me semblait que Lyotard avait été entraîné avec Deleuze dans une intensification des modes d'existence, pour le dire de manière très générale, qui était assez ruineuse et que ce caractère ruiné de l'intensification vitale à tout prix, c'est-à-dire d'une intensification de la vie jusque dans la mort, il me semblait que Lyotard le premier, avant Deleuze et Guattari, l'avait saisi et qu'il avait tout fait pour s'extraire de l'intensification de vie. Encore une fois, j'emploie des termes très généraux qui recouvrent aussi bien ce que Deleuze et Guattari que Lyotard ont pu tenter. Et il me semblait que son recours au langage témoignait pour une tentative d'extraction de ce fond de force, de ce fond d'intensification sur fond de travail des forces, que l'ontologie des phrases progressivement arrachée au fond permettait une mise en forme de l'expérience qui permettait d'échapper au péril de l'intensification. Le péril de l'intensification, hein, il était dans ces phrases qui m'avaient marqué et qui avaient fait sursauter Michel Dufresne, ces développements de l'économie libidinale sur un désir nommé Marx, sur la jouissance des sans-travail anglais qui jouissaient jusque dans leur souffrance. Bon. Mais il se trouve que mon premier contresens sur l'œuvre de Lyotard a consisté à vouloir stabiliser en quelque sorte l'usage qui était fait par Lyotard de la notion de narration. Et en vérité, je faisais de Lyotard très spontanément un multiculturaliste, c'est-à-dire, vous allez le voir très vite, un personnage qui est finalement très proche de par exemple, de Rorty, ou en tout cas de ce que Rorty a pu inspirer à certains penseurs des sciences humaines. Venu donc d'un horizon qui est plutôt celui de l'anthropologie et de la psychologie, je notais que quelqu'un comme Jérôme Brunner, psychologue venu lui-même des sciences cognitives mais converti à une approche culturaliste, se réjouissait de trouver dans Goodman ou dans Rorty de quoi considérer chaque strate de culture ou de civilisation, chaque communauté en elle-même et pour elle-même, et cela indépendamment de la question de la vérité, de l'importance de la référence. L'idée soutenue ici étant qu'il n'y a que des croyances ou des énoncés,
l'équivalence étant affirmée à ce moment-là, pas d'univers mais des compositions d'univers sur fond de compositions antérieures, pas de monde en soi mais des versions de monde et d'incessant rebrassage de ces versions. À cela, il faut ajouter que Brunner lui-même, donc renchérissant en quelque sorte sur Goodman et sur Rorty, précisait que ces constructions de monde se font justement par des narrations. Elles se font par des narrations qui permettent de préciser à la fois le sens d'un parcours d'existence et de fixer la signification d'une subjectivité. Brunner, dans des travaux vraiment très, très intéressants, qu'on pourrait presque qualifier de narrativisme transcendantal, s'employant à montrer que, de même que l'on raconte une histoire avec certains ingrédients ou certaines formules, eh bien, on se construit, hein, il y a une superposabilité des manières de conduire une histoire et des manières de se construire un soi, hein, qui est tout à fait frappante. Et Brunner y a insisté dans de nombreux ouvrages, mais par exemple dans « Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?» et une manière de se raconter qui en fait est une manière de se construire. Et il n'y a pas, à vrai dire pour Brunner, d'autre manière de se construire que de se raconter. Ici, hein, il est important de souligner que c'est une approche de psychologie culturelle qui fait fond sur une anthropologie culturelle, puisque c'est sur la trame de récits hérités au sein d'une ou plusieurs communautés qu'un sujet se constitue en se racontant à lui-même le récit de sa vie. Il m'a semblé, dans un premier temps, et j'insiste sur ce point, que Lyotard fournissait les moyens à l'intérieur de la pensée française contemporaine d'élaborer une telle pensée constructiviste du récit de soi ou du soi dans le récit. Il me semblait en quelque sorte qu'il suffisait plus ou moins de bloquer Lyotard au niveau d'élaboration de la condition postmoderne à ce moment où il met en balance la légitimation des grands récits de la modernité au moyen des petits récits d'auto-légitimation que l'on trouve ici ou là dans les différentes cultures ou les différentes civilisations humaines. Et évidemment, le point qui me frappait était l'utilisation que Lyotard faisait du dit des hommes d'André Marcel Dance, hein, sachant que c'était une transcription, traduction langagière de faits anthropologiques qui me semblait doublement intéressante parce qu'elle permettait une manière de déborder l'anarchie du désir. Elle permettait donc de suivre de l'intérieur de l'évolution d'une seule et même pensée, à savoir celle de Lyotard, un décalage assumé par rapport à Deleuze et Guattari. Et elle permettait d'autre part de schématiser véritablement ce qui se cherchait dans l'anthropologie culturelle et la psychologie culturelle, parallèlement à ce qui se tramait en France, donc dans l'œuvre de certains pionniers américains. Bon. Alors, ce point m'est apparu comme ne pouvant pas être maintenu, soutenu jusqu'au bout, tout simplement parce que le narratif, comme tel, ne peut pas satisfaire non seulement d'un point de vue interne les exigences de Lyotard lui-même, du point de vue de l'intérieur de son œuvre, mais plus généralement, hein, et je pense qu'il faut se ranger aux raisons de Lyotard, le narratif lui-même ne permet pas une juste prise en considération des dits ou des dires humains. C'est-à-dire que même d'un point de vue anthropologique ou psychologique, il y a un problème dans la narration que Lyotard pointe justement, et qui explique à la fois que Lyotard ait évolué de la condition postmoderne jusqu'aux différents, et que pour notre part, eh bien, il nous faille considérer avec beaucoup de précaution, voire de suspicion, les démarches d'un Brunner ou de tout ce qui, en général, se réclame du constructivisme et tente à élaborer ce que j'ai appelé tout à l'heure un narrativisme transcendantal. De quoi s'agit-il dans la narration et qui est problématique et qui me semble très fort dans l'analyse de Lyotard? Ce qui est problématique dans la narration, c'est à la fois bon, qu'elle soit un genre parmi d'autres et qu'en un sens elle puisse à son tour se prendre pour le genre des genres, mais c'est peut-être plus profondément encore qu'elle vise un résultat et qu'à cet égard elle ne vaille pas mieux que par exemple la dialectique. Elle est aussi bien négation du différent, refoulement de l'événement. Elle est censure du « il y a », la clôture la caractérise et elle ne tolère pas la possibilité de l'enchaînement.
Lyotard l'analyse très bien, justement, dans Au juste, et depuis Au juste, et puis au-delà encore dans le différent. Il le montre donc à partir de ce paradigme de la narration qui est pour lui le dit des hommes d'André et Marcel Dance, hein, ce travail sur les Indiens Kashinawa et sur leurs miyoi, c'est-à-dire sur leurs histoires. Il montre très bien, Lyotard après André Marcel Dance, qu'une histoire est racontée, racontable, à partir du moment où un Kashinawa se nomme en s'assumant narrateur d'un dire qu'il destine à un public lui-même Kashinawa, c'est-à-dire qui est nommé ou nommable comme individu Kashinawa. Je cite ici Lyotard dans le différent, page 220-221, c'est la notice Kashinawa, hein. Toutes les phrases contenues dans les récits sont pour ainsi dire épinglées sur des instances nommées ou nommables dans le monde des noms Kashinawa. Chaque univers présenté par chacune de ces phrases, quel que soit son régime, se rapporte à ce monde de noms. Pour entendre les récits, il faut avoir été nommé, d'autre part. Donc, fixation, en quelque sorte, du nom du narrateur, comme du nom des narrateurs. Hein. Toute la production du récit est ainsi réglée ou réglementée, soumise à la rigidité des noms et à leur répartition, et par là même est préservée par clôture l'irruption de tout événement inopiné. Le récit fixe et stabilise l'essence de la communauté, mais du même coup, il la circonscrit, et il s'efforce de la protéger de la menace du différent. Les noms, grâce à leur nombre fini, à leur permanence, à leur rigidité et à leur distribution, constituent l'identité de la communauté. Bon. Donc il y a une situation de fixation qui correspond à ce que la narration met, je cite encore Lyotard, les désignateurs rigides de l'identité commune, à l'abri des événements du maintenant et du péril de son enchaînement. Alors il y a là une immunisation qui est peut-être bonne du point de vue de la communauté, mais qui est dommageable du point de vue de l'exposition hein, dehors du récit, puisque l'occurrence, l'événement, n'est pas pris en charge dans les légendes. Il s'avère finalement que les petits récits, les petites histoires, n'ont pas plus de légitimité que le grand récit, même si le tort que les petits récits font, à savoir donc l'exclusion de ceux qui ne portent pas le nom légitimement, est tout autre que le tort fait par le grand récit, qui consiste, lui, en l'inclusion de toute différence dans l'humanité universelle. L'opposition entre discours narratif et discours conceptuel ne discrimine pas le bien et le mal, elle ne suffit pas à penser l'éventail des genres de discours et de leurs enjeux. Les petits récits s'avèrent n'être pas si innocents que cela, il apparaît que le mal n'est pas instancié dans un type de discours, mais entre eux. Bon. Ce point a été très clairement mis en valeur par Laurence Kahn, qui interviendra demain dans son dernier livre. Elle invoque le travail de Lyotard, notamment dans le chapitre 4, « L'impouvoir, l'apathie », et elle s'oppose, elle, de l'intérieur de son champ disciplinaire, à savoir de l'intérieur de la psychanalyse, à ces courants de narratologie qui sont l'analogue de la psychologie culturelle que je décrivais pour commencer. Elle pointe les dangers de cette narratologie générale. Apaiser, occulter, réduire au silence la phrase affecte, trace muette de l'occurrence, du choc, de la touche qui frappe l'infance impréparée, telle est, selon Lyotard, la mission même de la narrativité, car la fonction de la narration est de créer des liaisons, maillons destinés à organiser la signification et à refouler la censure. En un mot, à reprendre possession, sous forme de l'expérience, de ce qui est désemparement et dépossession première. Bon. Alors, il y a donc un problème, en un sens, de la narration, et il faut dès lors hein, ne pas la privilégier systématiquement, et au contraire, se livrer, comme le fait Lyotard, à la diversité, voire donc à l'hétérogénéité des jeux de langage, pour qu'aucun ne fasse de tort aux autres, pour qu'aucun n'impose ses exigences et ses enjeux à tous les autres. Et la narration, par conséquent, n'a pas de privilège particulier par rapport aux autres genres de discours. Maintenant, la question qui pourrait se poser hein, est celle de savoir si la stabilisation comme telle est dommageable ou nuisible. C'est-à-dire, indépendamment de savoir si la narration est ou pas le seul mode d'expression ou le seul jeu de langage, pour prendre l'expression wittgensteinienne, si la narration est ou pas le seul jeu de langage valable pour décrire les dits ou les dires humains, la question se pose de savoir si le consensus ou la stabilisation, si la fixation en général est un tort, c'est-à-dire que
le problème qui se pose ici et qui se reposera, je pense, dans ces journées, est celle de savoir si le consensus en général, quelle que soit sa forme, narrative ou pas, est à fuir. Bon. On aura peut-être reconnu ici l'objection qui a d'abord été adressée par Rorty à Lyotard et qui a été reprise ensuite par Bouveresse. Pour Bouveresse, il y a quelque chose d'assez étonnant à ce que Lyotard considère toujours les jeux de langage dans leur extrême diversité, donc sur le mode agonistique ou sur le mode guerrier. Hein. Pourquoi donc soutenir en permanence que la diversité des jeux de langage signifie opposition, affrontement, guerre? Bon. Bouveresse ne voit pas d'autre raison à l'affirmation de cette thèse qu'un penchant bien French théorique à la dramatisation et au tragique. Il parle, pastichant lui-même Lyotard, d'un mauvais pastiche du renversement des valeurs nietzschéennes où le dissentiment, le différent, l'affrontement, etc., ont été mis à la place du consensus, du dialogue, de la coopération. Et Bouveresse oppose à Lyotard l'importance accordée par Wittgenstein lui-même à l'existence du langage qui se fonde sur une uniformité, une concordance dans les définitions, les jugements et les actions. C'est-à-dire que l'émergence même des différents entre jeux de langage suppose un fond de concordance normale et d'échanges harmonisés et pacifiés entre les participants. C'est-à-dire que le langage lui-même, indépendamment de ses spécifications en narratif ou autre, le langage lui-même est une strate stabilisée, consensuelle, sur fond de laquelle peuvent éventuellement émerger les différents. Alors, il me semble que, pris ainsi, présenté de cette manière, le traitement lyotardien du problème de l'incommensurabilité des jeux de langage est incompréhensible, imputable seulement à quelques sens philosophiques au tragique, à quelques complaisances pour la dramatisation. Il me semble que pour comprendre pourquoi et comment intervient l'agonistique des jeux de langage dans le parcours de Lyotard, il faut remonter très haut à ses premiers pas, à vrai dire. Il faut faire un retour à son point de départ et souligner que le souci de Lyotard, et cela a déjà été dit, est constamment politique et, j'aurais presque envie de dire, moral. Ces accès immoralistes même ayant quelque chose de moral, découlant de préoccupations morales et de certains impératifs catégoriques. Même dans Économie libidinale, en un sens, il n'est question que de cela. Alors de quoi ? Eh bien, de cette idée que le savoir ne doit pas prétendre savoir mieux que les vivants ce qu'ils vivent et pensent. Cette fameuse phrase que j'évoquais tout à l'heure hein, sur les sans-travail anglais qui ne se sont pas fait ouvrier pour survivre, mais qui ont joui de l'épuisement hystérique, etc., en un sens, elle peut être lue d'une manière presque morale. C'est-à-dire que Lyotard, le philosophe Lyotard, signifierait par là son refus de la philosophie et de sa fonction critique, assez en particulier de la théorie marxiste qui prétend tout savoir de la souffrance des gens et des causes qui la déterminent, qui croit pouvoir lire dans la nature des ouvriers comme dans un livre ouvert et pointer l'essence des obstacles structurels, l'exploitation, qui rendent les gens étrangers à cette nature, ou à cette nature supposée, et cela prendrait le nom d'aliénation. La vie des gens n'est pas à appréhender sous le signe d'un négatif que la théorie inventerait, qu'elle découvrirait et dont elle retracerait le parcours. Elle est à suivre selon la ligne affirmatrice de son déploiement pratique singulier, jusque dans la mort éventuellement. Il me semble que tout le chapitre d'économie libidinale a un désir nommé Marx, consacré au démontage non critique de la critique, à ce qu'ailleurs, au même moment, Lyotard nomme dérive à partir de Marx et Freud. Il me paraît que ce parcours participe d'une inspiration antithéorique et archi-pratique, en quelque sorte, qui a tout d'un cri, jusque dans son immoralisme, de moraliste. Cela suppose hein, une destitution de toute théorie, et donc encore une fois, du point de vue du parcours de Lyotard, peut-être une certaine désillusion issue des années de militantisme et une désaffection à l'égard du marxisme. Il n'y aurait pas de théorie de la pratique, on n'aurait pas à nous enseigner à lire le Capital pour découvrir la vérité de la pratique, il n'y aurait pas de philosophie pour l'histoire, pour toute histoire, petite ou grande. Et donc la rage cynique qui anime Économie libidinale pourrait en un sens être identifiée comme la source de ces passages si étonnants au premier abord. Bon.
Ce qui est signifié aussi bien, c'est un problème critique au sens de Kant, hein, le problème de la légitimité du droit à dire ce qui est, hein, ou à parler au nom de ce qui est. Le problème est ensuite de cette hauteur de surplomb dont on se demande de quelle façon elle est acquise par le philosophe et avec quelle légitimité. En un sens, se dit, c'est un problème de critique au sens de Kant, puisqu'il s'agit des prétentions de la raison et d'un tribunal instauré par la raison pour juger de ses prétentions, à ceci près que chez Kant, c'est encore la raison qui juge, elle est partie en même temps que juge, et tout est biaisé dès lors. La critique en général n'est qu'un des moyens trouvés par la philosophie pour reconduire sa domination sur les autres logoi. Et donc il faut prendre un ton anti-philosophique qui se dira d'abord sophistique et aussi bien ensuite païen. Et pourtant, il me semble que les choses commencent à changer à partir des rudiments païens, puisqu'il apparaît que progressivement une nouvelle critique est nécessaire. Ça apparaît très clairement dans le chapitre conclusif des rudiments, qui est écrit après coup, et qui est moins une reprise réflexive des études rassemblées, que comme un état de la pensée de Lyotard, une fois le recueil constitué. On pourrait s'attendre à ce que Lyotard y défende le discours sophistique, dont il a montré la force dans la contribution de 76 sur la force des faibles à la revue L'Arc. Et ça y ressemble, hein. Il s'agit de décrire la philosophie comme un art qui relèverait elle-même de la sophistique. En des termes modernes, on dira que le déploiement du philosophique ou du théorique dépend d'un art du discours, selon le triangle pragmatique tel que le décrit la linguistique pragmatique, et donc une triangulation entre destinateur, destinataire, au sujet d'une référence, le sens intervenant un peu plus tard à partir de au juste. Hein. Alors, ce que cherche à montrer Lyotard, c'est que le théorique fait jouer étrangement les pôles du triangle pragmatique. Il les fait pivoter, dit Lyotard. Le destinataire du discours philosophique qui a pour nom disciple n'est tel qu'à la condition de viser à passer maître à son tour. Et c'est étrange, hein, parce que, par exemple, le politique ne parle pas au peuple pour que le peuple prenne sa place, même si parfois on souhaiterait que ce soit le cas. La référence elle-même, alors qu'en bonne rhétorique elle devrait être produite par l'œuvre, s'efface en tant qu'effet pour devenir cause de l'œuvre, ainsi des idées ou des formes chez Platon. Le destinataire, enfin, qui devrait produire l'œuvre, apparaît comme le simple porte-parole des formes ou des idées. En fait, Lyotard opérait un décentrement du regard tel que le philosophe qui croyait pouvoir rendre raison de la sophistique, Platon enseigne qu'elle ne produit que d'illusoires simulacres, eh bien, le philosophe se trouve fondé sur un schéma discursif sophistique, déduit des relations pragmatiques rhétoriques. Platon peut être décrit comme faisant pivoter le schéma selon ces trois pôles, pour autant que Lyotard a préalablement fait pivoter le platonisme sur la sophistique elle-même. Tout cela est très inconvenant, et c'est inconvenant au sens de ce qu'il est convenu d'appeler théorique ou philosophique depuis Platon, de ce dont on convient au seuil des dialogues de Platon, qu'on soit interlocuteur ou lecteur des dialogues de Platon. Mais si l'on convient, et c'est affaire de convenance ou de commodité, qui sont des notions bien rhétoriques, si l'on convient de définir comme théorique ce que décrit la relation pragmatique, alors tout change, et le discours tenu par Lyotard peut à son tour être dit théorique ou philosophique, voire critique, même si c'est en un tout autre sens. Ce serait un discours inconvenant dans la théorie ou sur la théorie telle qu'elle se définit en général, un discours qui est de lui-même une inconvenance. Le niveau rhétorique ou pragmatique de l'énonciation définit ainsi une nouvelle critique. Tout pourra se dire, tout devra se redéfinir en fonction du quadrillage conceptuel fourni par ce régime de la pragmatique. Le triangle, le quadrilatère des relations dialogiques forme une très forte et très dynamique table des catégories. Mais pourquoi précisément est-il ici nécessaire de pivoter ou de soumettre la philosophie ou le philosophie à ce régime d'amaigrissement philosophique qui conduit à une redéfinition du philosophique ou du théorique comme tel? Eh bien, c'est précisément que la morale elle-même est menacée, le jugement moral est exposé à un risque de contamination par le jugement de connaissance. La question est critique au sens de Kant, revisitée selon le point de vue discursif sophistique, dans la mesure où il est question de la diversité des intérêts de la raison et du problème de la légitimité de la prétention du jugement de connaissance à valoir hors de sa sphère ou de ses intérêts d'origine. Le problème est celui de la formulation de l'impératif catégorique en termes théoriques. Ce sont des passages que vous connaissez sans doute de Au juste, où il est dit que les énoncés prescriptifs sont dérivés, et cela de manière illégitime ou injuste,
de descriptif. Le discours sur le bien découle d'un discours sur le vrai. Et il doit y avoir, dans une tradition philosophique qui court de Platon à Marx, une déduction du juste à partir du vrai, moyennant donc la prise en considération d'un juste qui est l'objet de jugement vrai, avant de conditionner des pratiques équitables. Donc, pour être juste, un acte doit se conformer à l'idée de justice. Tout cela est précisé par Lyotard au juste, je vous renvoie aux pages 44, 45, 46, on a d'une part un dispositif théorique constitué d'énoncés dénotatifs, centré sur une référence, et on a d'autre part couplé à ce dispositif un ensemble de discours très différents, puisqu'ils ont une fonction, eux, de prescription par rapport à la réalité sociale. Bon. Et donc, le paradoxe est que le descriptif peut être dérivé du descriptif, alors qu'en vérité, il y a une résistance de l'énoncé prescriptif aux énoncés propositionnels. Il me semble que c'est là la racine ou l'origine du différent, le différent des différents qui motive le mode d'intervention de Lyotard et qui conditionne son invention du concept de différent. Encore une fois, ces exigences de morale et de politique, aucun genre de discours ne doit imposer ses règles de fonctionnement, ses stratégies et les modes d'enchaînement mis en œuvre à des fins stratégiques. Aussi bien, par-delà la formulation morale, le jugement de l'obligation est ici en jeu. Il faut qu'aucun tort ne soit fait aux autres, au-delà du respect de l'altérité en général, aux autres concrets que l'anthropologie désigne et décrit, mais aussi bien à la question de l'altérité en général, pour autant qu'elle s'invite dans la problématique des jeux de langage. Et donc la question politique, après avoir conduit à une éthique immoraliste, puis avoir reconduit au questionnement critique sur la moralité, se prolonge naturellement en une cosmopolitique, quatrième critique de l'histoire jamais écrite par Kant, disséminée dans la foule des opuscules sur l'histoire. Alors, ce point qui justifie en fin de compte le mode d'intervention lyotardien et qui en justifie plus ou moins que l'agone soit mis, et donc la figure du différent soit mis au centre de l'appréhension, son appréhension très singulière des jeux de langage, il est évident que Bouveresse ne peut ni ne veut le voir, d'abord parce qu'il n'est pas historien de la pensée de Lyotard, il a autre chose à faire, et puis parce qu'il est entraîné dans d'autres problématiques. Il le soupçonne une fois, il évoque les conflits qui peuvent naître de ce que l'éthique et la religion émettent des jugements de connaissance qui ne relèvent pas du genre de connaissance. Bon. Mais il ne s'y arrête pas, puisqu'il est entraîné par cette idée à laquelle il tient, que Lyotard est lui-même fixé sur le drame ou le tragique. Bon. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que par-delà cette question-là de la moralité postmoderne de Lyotard, la question continue de se poser, elle s'est posée à Lyotard lui-même, cette question de savoir si l'opposition était un idéal ou un fait, ou un ensemble de faits, des faits de langage d'abord, qui mènent, si l'on y prend garde, à des torts par empiètement de certains jeux sur d'autres, par reformulation des phrases, conformément à des enjeux qui ne sont pas les leurs. Or, ce qui est frappant, c'est que s'il y a bien un état agonistique, en un sens, pour autant, il n'est pas sûr que Lyotard dise que le consensus soit à fuir ou que la communication ou la formulation ou la formation d'une communauté soit à éviter. Il me semble que ce qui est surtout en jeu chez Lyotard, c'est par-delà la reconnaissance des torts que les jeux de langage menacent de se faire les uns aux autres en permanence, ce qui est en jeu, c'est tout aussi bien un autre sens du commun sur lequel Lyotard a abondamment écrit et qui est d'abord présent dans le dernier chapitre du différent, le signe d'histoire. Il s'agit de ne pas renoncer au commun, mais non pas au sens où il faudrait affirmer de manière déterminée ou déterminante l'existence de certaines communautés, qui seraient d'abord des communautés unies par un certain langage. Il s'agit, au contraire, dans le cadre même de cette trame agonistique tracée par le différent, d'envisager les communautés comme à venir, c'est-à-dire comme un idéal qui demeure et qui doit demeurer une idée, dont la vocation n'est pas de devenir réelle, et dont la vocation est surtout de ne pas devenir réelle,
C'est très exactement ce qui est dit, il me semble, à la fin du différend, et qui est repris ensuite à de nombreuses reprises, redéveloppé dans les différents textes consacrés à Kant, hein, et en particulier à l'articulation d'une troisième critique, qui est critique de la faculté du jet, et d'une quatrième critique de l'histoire jamais écrite. La Teilnehmung, dit Lyotard, selon le désir, n'est pas une participation en acte, mais cela vaut mieux. C'est-à-dire que ce que Lyotard pointe à l'articulation de la troisième et de la quatrième critique, c'est une universalité qui serait seulement en puissance, et qui est celle du sublime, ou qui est celle de l'enthousiasme, un sensus communis qui est un sens commun comme norme idéale, comme norme indéterminée, et ce sont les développements très, très intéressants, évidemment, sur la Révolution française. L'effet qu'a produit la Révolution française et la lecture de cet effet par Kant, à savoir donc un enthousiasme suscité par le spectacle d'une révolution qui requiert un sens commun, qui en appelle à un consensus, qui n'est pas plus que sensus indéterminé, mais de droit. Il est une anticipation sentimentale de la République. La communauté ne peut être qu'à venir. Il est impossible pour l'humanité de se rassembler autour des communautés existantes, puisqu'il y a une fixité des noms identifiants dans les diverses communautés humaines fédérées par leur histoire. Mais pour autant, il me semble que, par-delà l'agone que j'ai essayé de justifier par le parcours de Lyotard, il y a un attachement au commun dans ce signe d'histoire, dans l'enthousiasme, par exemple, suscité par la Révolution, qui en appelle à une communauté sur laquelle on peut réfléchir, quoi qu'elle ne soit pas fixée ou déterminée, et heureusement du reste, puisque de là, de nouveaux torts pourraient surgir. Le consensus, donc, est à venir. Alors, la question que je voudrais poser maintenant est de savoir si d'autres sens du commun ne sont pas possibles. Il y a ce premier sens du commun, qui est le commun des communautés linguistiques, ce sens de la communauté fixée dans certains genres de phrases ou dans certains types précisés, spécifiés de phrases, les noms Kashinawa, par exemple. Il y a au-delà le sens du commun qui ne se fixe dans aucune phrase et qui est le sens de la communauté à venir et idéale. La question est de savoir si par-delà les phrases et par-delà la convergence idéale des phrases dans une république sentimentale, il n'y aurait pas place pour un en-deçà des phrases. Et il me semble que c'est précisément le point auquel Lyotard lui-même est amené, au-delà du différent. Et aussi bien, cet en-deçà, peut-être, pourrait se nommer l'enfance. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que Lyotard a fini par revenir au hors-champ des phrases, puisque la phoné ou l'enfance sont au seuil de l'ontologie du différent. À vrai dire, le sentiment était déjà en ouverture du différent, hein, puisque le différent est défini comme l'instant où quelque chose veut être dit qui ne saurait être phrasé, et le sentiment que quelque chose doit être dit et qui ne parvient pas à être dit dans les phrases existantes. Mais aussi bien, Lyotard y est reconduit, c'est-à-dire que le monisme phrastique n'est peut-être pas le dernier mot de la philosophie de Lyotard, puisqu'il y a le statut très étrange de cette phrase affecte, aussi bien du silence dont on a déjà dit un mot et dont nous reparlerons, quelque chose qui serait une phrase tout en se refusant, tout en se soustrayant à l'articulation dans le régime des phrases. Et on rebascule, ou on bascule, mais à vrai dire on rebascule, puisqu'il s'agit aussi bien d'un retour à Freud à l'intérieur même de l'œuvre de Lyotard, du côté de l'affect. C'est la problématique freudienne qui est ici réintroduite, toute une métapsychologie des forces, d'inspiration très clairement énergétiste. Hein. Il me semble que ça apparaît très bien dans certains des textes repris dans Misère de la philosophie, et sur un mode, là encore, propre à sa discipline, donc psychanalytique. Il me semble que Laurence Kahn, par exemple, dans L'écoute de l'analyste, reprend très bien cette confrontation du langage et de ce qui échappe au langage, mais qui aussi bien travaille sous le langage. Puisque le discours recueille en surface un profond travail opéré par des forces psychiques. Alors, il m'a semblé que chez Lyotard, on avait une figure du commun
qui méritait toute notre attention. Alors, autant pour moi. Justement, une figure de l'enfance dont j'ai cru à un moment qu'elle pouvait permettre de définir un nouveau sens du commun. En vérité, et c'est là peut-être dans les 5 minutes qui me restent, je dois vous faire part de la menace d'un deuxième contresens que j'avais fait et dont je suis revenu, c'est l'idée que... oui, la question dont je voudrais parler très rapidement hein, est celle de savoir le statut qu'il faut accorder à l'enfance elle-même. La question est celle de savoir si l'en-deçà des phrases sur lesquelles s'appuient toutes les phrases est de l'ordre ou pas du commun. Il me semble que, de manière très étonnante à mes yeux, Lyotard retrouve dans l'enfance, dans le statut transcendantal qu'il essaie de donner à l'enfance, des données logico-linguistiques qui sont issues de son ontologie des phrases. Ce qui me frappe, c'est la structure qu'on pourrait dire duelle, et qui aussi bien est la structure de l'obligation telle qu'elle avait été une première fois traduite, transcrite par Lyotard à partir de Lévinas dans l'ontologie des phrases. Ce qui me frappe, c'est que l'enfance elle-même est structurée selon ce partage d'un je et d'un tu. Ce qui est dit de l'enfance, c'est qu'elle est condition d'être affectée alors que nous n'avons pas les moyens, le langage et la représentation de nommer, d'identifier, de reproduire et de reconnaître ce qui nous affecte. J'entends par enfance que nous sommes nés avant d'être nés à nous-mêmes et donc nés des autres, mais aussi nés aux autres, livrés sans défense aux autres. Et je cite ici donc la mainmise, texte de la toute dernière période de Lyotard, repris dans Misère de la philosophie. Mais pourquoi n'y aurait-il que des plaies et des souffrances? Pourquoi n'y aurait-il jamais de satisfaction du plaisir comme tel? Pourquoi faudrait-il que le principe de plaisir soit toujours déçu et l'enfant frustré? Autrement dit, plus largement, pourquoi faudrait-il que notre enfance elle-même soit polarisée par un rapport aux autres qui est un rapport de dépossession? Il est même dit que les parents eux-mêmes ne sont pas émancipés de leur enfance, de leur plaie d'enfance, ni de l'appel qui en est issu. Autrement dit, pourquoi dans la strate libidinale ou affective, qui est finalement redécouverte par Lyotard, n'y aurait-il que de la dépossession, de la mainmise? Pourquoi n'y aurait-il, conséquence de cette dépossession ou de cette mainmise, que de la souffrance? Il me semble qu'ici, le schéma résulte très clairement, hein, encore une fois, d'une double transposition, c'est-à-dire de la reconduite de la transposition du schéma lévinassien, une première fois opéré dans le différent, du côté de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une mise en adéquation, un alignement de Freud, de Lévinas, et plus généralement de la pensée juive, puisqu'il y a aussi bien une affinité très, très grande reconnue par Lyotard entre Lévinas et la pensée juive en général. Qu'est-ce qui est à l'œuvre chez Freud, Lévinas, aussi bien que dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qui est commun au petit enfant dans la théorie psychanalytique, au destinataire de la phrase éthique, aux croyants dans la religion juive? C'est que chacun est l'obligé ou le débiteur d'un appel auquel il lui faut répondre sans pouvoir en répondre. Aucun ne peut se soustraire à la puissance d'une transcendance à laquelle il doit tout sans pouvoir rien sur elle. Et cela a pour nom le père dans la psychanalyse, le tu de l'adresse dans l'éthique lévinassienne, Dieu enfin dans la religion juive. Alors, la question que je voudrais poser, et qui est le point d'interrogation, encore une fois, issu d'un premier contresens que j'ai fait sur... Enfin, d'un second contresens que j'ai fait sur Lyotard, hein, est celle de savoir si le fond de l'enfance est nécessairement de l'ordre de cette obligation à l'égard d'une transcendance qui est elle-même irréductible. Je pense que d'autres conceptions de l'enfance seraient possibles qui nous reconduiraient à un autre sens du commun. Mais j'y insiste, un sens du commun qui ne serait pas celui de la stabilisation dans des formes linguistiques ou phrastiques, qui ne serait pas non plus seulement celui du signe d'histoire ou de la République à venir, mais qui aussi bien peut-être fonderait l'un et l'autre des régimes, aussi bien le phrastique que l'idéal, et qui serait quelque chose comme une...
une strate d'enfance elle-même constituée de liens, d'interactions fondamentaux. Il me semble que cette strate de commun, qui serait un commun fait d'affect et de pulsions, et qui demanderait évidemment beaucoup de développement que je ne vais pas pouvoir fournir, il me semble que Lyotard l'a entreaperçu une fois. Il l'a entreaperçu très très tôt dans sa phénoménologie de 1954, lorsqu'il a lu le psychologue Henri Vallon par-dessus l'épaule de Merleau-Ponty. Ce qui apparaît alors, c'est que mes rapports à autrui ne sont pas nécessairement marqués par une dépossession fondamentale à l'égard d'autrui. Il apparaît aussi bien que nous pouvons partir de l'expérience d'un intermonde où il n'y a pas de perspective égologique. Et ça, c'est tout le travail d'une certaine psychologie, psychologie de l'enfant, psychologie du développement, psychologie génétique d'Henri Vallon, qui part d'une socialité syncrétique, une socialité antérieure à tout partage égologique, puisqu'aussi bien la saisie de sa propre subjectivité en tant que perspective absolument originale ne vient que très tardivement, et le jeu n'est employé que lorsque l'enfant a compris que le « tu » et le « toi » peuvent aussi bien s'adresser à lui-même qu'à autrui. Chacun peut dire « je », alors seulement. Bon. Or, on voit ici qu'on a affaire à une réciprocité des perspectives pronominales, par-delà l'indivision, qui est vraiment au-delà de la distinction ou de la mainmise ultérieurement repérée par Lyotard, et par-delà donc la symétrie radicale fondatrice qu'elle suppose entre un jeu et un tu. Ce que l'enfant découvre à 3 ans et à 3 ans seulement, c'est que le tu est aussi moi, et cependant qu'autrui peut être un jeu. Mais il y a là un jeu de permutation qui s'ouvre à un espace dialogique d'échange sur fond de communication profonde. Alors, ici, la question ne serait pas de revenir, à vrai dire, à la phénoménologie elle-même, hein, qu'il s'agisse de celle de Merleau-Ponty ou celle de Dufresne, dont Lyotard a été proche un temps, mais peut-être de revenir à la psychologie elle-même, à la psychologie française, par exemple celle d'un Vallon, dans laquelle s'ancrent ces développements pointés par Merleau-Ponty, cette idée d'une intersubjectivité native fondamentale, ce socle du commun pour toutes les communautés à venir, hein, qu'elles soient encore une fois fixées par des noms sur des communautés particulières, ou qu'elles soient ensuite idéalement appréhendées et désirées par le peuple en général. Bon. Aussi bien, ce qu'il faudrait choisir, c'est pas entre Lévinas et Merleau-Ponty, mais peut-être plus précisément entre la psychanalyse et la psychologie, et peut-être entre le judaïsme, finalement, et, alors, s'agit-il ici du christianisme ou du marxisme? On hésite entre Merleau-Ponty et ses années de formation chrétienne, ou Henri Vallon donnant cette intersubjectivité native comme socle pour des révolutions marxistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait peut-être ici moyen d'articuler la grammaire philosophique à une psychologie génétique qui serait très proche de ce que, sous le nom d'enfance, Lyotard a approché, mais qui, de fait, représenterait à l'égard de Lyotard une rectification, un pas de côté, en tout cas, au regard de Lyotard. Et évidemment, j'avais prévu de longs développements sur le psychologue qui est également wittgensteinien et qui me semble réaliser ce programme, et qui a pour nom Maxime Chastain, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Merci. Juste un petit commentaire, je suis content qu'on parle d'Henri Vallon dans ces murs, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est méconnu, travailler sur des gens méconnus, c'est bien lui, enfin méconnu aujourd'hui, hein. Aussi bien des psychologues que des philosophes d'ailleurs. Alors, première question. Une autre exception qui serait celle de
la souffrance provoquée par l'injustice éventuellement que tel ou tel discours, par exemple, imposerait à tels autres et à ceux qui en dépendent. Il me semble qu'il y a un petit jeu qui tout à coup réapparaît cet après-midi, qui n'a pas du tout été évoqué ce matin, très peu en fait. La deuxième chose, c'est que je trouve que la valeur du commun, et si par exemple il apparaissait que ce qu'il y a de plus commun, c'est l'injustice du sort, ou c'est un certain type de souffrance, décidément, ou que ferait-on? Que ferait-on dans ce cadre-là? Alors, je dirais, la polysémie que vous pointez très justement de la souffrance, il me semble qu'elle est d'abord à ressaisir quelque part entre justement l'anthropologie, la phénoménologie d'un côté, que finit par réfuter Lyotard et sa volonté de traduire ou de transcrire le sentiment du juste dans une pure ontologie des phrases. Et effectivement, il me semble qu'on ne s'en débarrasse pas aussi facilement et que le retour à Freud tardif est justement, alors je ne sais pas si c'est le retour du refoulé anthropologique, mais enfin en tout cas, il me semble que c'est la continuation du travail polysémique, de la souffrance. Donc je suis d'accord. Alors après, le problème de l'injustice du sort... Oui. Bien sûr. Jusqu'à quel point est-ce qu'on se laisse aller dans cette ouverture juste, entre trouver les mots justes par les justes, et puis ne pas laisser faire la justice, qui est différent. Il y a un petit point d'articulation. Mais il me semble que. Mais il me semble que Lyotard travaille là-dessus. Au juste, c'est aussi bien le problème de la justesse que celui de la justice. Et oui, elle n'a pas été articulée. Non, mais après, je pense que c'est tout le... Ouais. Il me semble que c'est très exactement ce que pointait Jean-Michel ce matin, à savoir... Alors, je ne sais pas s'il faut définir les pôles comme il l'a fait, le désir, le langage, mais enfin, la question est de savoir si on travaille sous le langage, si on reprend... Moi, mon but n'est pas de... Enfin, je ne sais pas si... Si ce que vous avez essayé de me faire dire, c'est qu'il aurait fallu que je précise davantage le sens de la souffrance et le sens du juste. Il me semble que si on veut glisser du juste au sens de parler juste, du juste au sens de parler juste, il faut à ce moment-là, si on veut glisser continuellement, trouver un glissement au gros de la destination. Il faut que les destinateurs ou les destinataires, il faut que, en quelque sorte, il y ait un glissement entre des instances relativement abstraites et puis des autres. Ce glissement me paraît très énigmatique. La souffrance d'autrui, ça ne veut pas être la même chose que la souffrance d'un genre politique que je m'amène, par exemple, pour les verres de béton. C'est pas possible. Oui. Ça n'est pas non plus la même chose que quelque chose qui attend la phrase qui dira l'événement, la phrase qui le fera retentir et le lancera au-delà de lui-même. Bon, ça n'est pas non plus la même souffrance. Donc il y a quelque chose comme on nous propose en quelque sorte un canevas qui nous fait passer des uns aux autres et je ne le ressaisis plus bien. Mais je suis d'accord. Alors qu'à l'époque où, effectivement, j'avais lu, laissé apporter, mais en tout cas, je trouve que l'instant de la destination, de ce qui s'adresse à nous, de ce qui s'adresse en général, de ce qui nous destine, on ne peut pas la confondre avec un autrui aussi. Et voilà. Et toute la problématique me paraît être dans ce glissement. Je suis d'accord, et en vérité, parti de mes contresens, précisément parce que, enthousiasmé par une première lecture de Lyotard, j'ai cru qu'il allait parler des gens, très concrètement, et qu'en l'occurrence, il me semble pris dans cette tension entre la tentative pour formaliser sous la forme d'une ontologie des phrases ce qui finalement est vécu, sans pour autant référence au vécu, et que cette ontologie des phrases lui paraît finalement à lui-même abstraite,
et qu'il en revient à d'autres schémas. Alors, ce que j'ai très rapidement dit, c'est qu'à mon avis, l'abstraction du... Alors, je dis moi abstraction du schéma de l'obligation, mais évidemment, Jean-Michel, par exemple, ne penserait pas que ce serait quelque chose d'abstrait, puisque le visage d'autrui n'est pas une abstraction. Enfin, il me semble que certaines considérations sur l'obligation transcrite dans un langage, à mon sens, abstrait, se retrouvent dans la considération finale de l'enfance. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et qu'effectivement, là, il y avait un problème, puisque au moment où Lyotard se retournant sur lui-même pour dire finalement, il y a quelque chose qui échappe aux phrases, qui est sous les phrases, qui est inarticulé dans les phrases, il me semble qu'à ce moment-là encore, il est pris par le langage d'une manière indirecte. Claire. Merci beaucoup. Fonder cette idée du commun ou de la communauté sur la notion lyotardienne d'enfance. Et en tout cas, dans la façon dont il a refaire à Freud, parce que je crois qu'on fait une présentation trop irénique de cette enfance, c'est pas du tout. Et je crois qu'il faut restituer ce qu'elle a chez lui de très hostile. Il le dit parfois, l'enfance, c'est ce qui est tyrannique, méchant, qui fait des histoires. C'est pas. Et en tout cas, tel qu'il la tire de Freud, ce qui m'intéresse, c'est sa dimension asociale, c'est la socialité de la pulsion. C'est pas quelque chose de gentil qui va faire. Et donc j'ai du mal à comprendre comment, à partir de ce qui est aussi méchant, turbulent, comment tu vas faire pour ton commun. Mais précisément en abandonnant Lyotard. C'est-à-dire que pour moi, justement, je croyais qu'il y avait du gentil dans l'enfance de Lyotard, il n'y a pas de gentil. C'est ça. C'est que je suis bien naïf. J'ai cru un temps que le dépassement du différent dans l'enfance correspondait à ce socle du commun. Et en l'occurrence, non, puisque... Et il me semble... c'est vraiment une constante, puisque je regardais le diplôme d'études supérieures de Lyotard sur l'indifférence comme notion éthique, qui justement n'est pas une notion éthique, l'indifférence, et c'est la conclusion du mémoire. Et je me disais, chouette, là, j'ai vraiment... si on ne peut pas être indifférent à autrui, c'est qu'on a une manière d'entrer en contact avec lui, etc. Mais précisément, non. Parce que ce qui apparaît, c'est de manière très phénoménologique, la définition d'un champ transcendantal qui est égocentré. Alors, mais il me semble que toute chose égale par ailleurs, sous le nom d'inconscient, c'est toujours aussi égocentré, même si ce n'est pas une question d'ego. Et qu'autrui, il faut le prendre en compte, mais justement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est transcendant à l'égard de mes visées. Et donc, voilà, c'est simplement ça. C'est que justement, je n'arrive pas. Et j'aurais aimé en lisant... et quand je n'ai pas lu tout le passage de la mainmise, mais dans la voix, il y a aussi ça, il me semble. À chaque fois, j'attends. Le moment où il va basculer, dans Henri Vallon, relu par Merleau-Ponty, il ne le fait pas. Bon. Donc c'est mon échec à constituer un concept lyotardien d'enfance. Voilà. Mais c'est tant pis pour moi. Hein. C'est vous-même qui vous proposez ce schéma qui a un rapport avec Vallon. C'est vous qui avez Vallon. Mais oui, mais la différence... c'est-à-dire... Oui, c'est moi, oui. Non, alors, ce qui me frappe, c'est... Attendez, il y a une question. Vous savez que je crois que vous remerciez de la probité de votre parcours, puisque d'abord, partir de la conclusion... Il y a un homme promis, il y a une communauté promise. Quand on dit qu'il n'est pas gentil, non, il n'est pas gentil, parce qu'il pense qu'il y a trois dettes. Il y a une dette à la communauté politique, il y a une dette à l'enfance, et c'est dire que l'enfance, Claire Pagès a raison, ça sonne avec la socialité. Pourquoi? Parce qu'il reste freudien. L'enfant est sexué, il est un corps sauvage, rebelle, et étranger, et donc d'une certaine façon. Alors, ce qui peut appeler gentil, c'est le fait de penser en termes de dette, c'est-à-dire le respect à quelque chose qui est de l'ordre de la folie, de la sauvagerie, de la sociale, et malgré tout, on peut faire droit quand même à de l'autisme, etc. Alors que pour autant, ça veut dire il y a une sourdité à une communauté promise du bien, etc. Non, c'est que cette communauté promise du bien, elle doit aussi faire entendre ce qu'il y a d'enfance et d'irrécupérable, d'intraitable, etc. Et donc, si immédiatement vous subsumez ça sous l'autre dette, c'est vous qui êtes méchant. Non, je ne voudrais pas être méchant. Mais évidemment, on ne peut pas éviter de l'être. Mais non, après, effectivement,
D'abord, une première réaction à ce que vous disiez. Ben, oui, Lyotard, si vous voulez. Soit on rencontre de ce que dit Lyotard, et j'aurais pu vous lire des passages de Lyotard. Le problème, c'est que je lis Lyotard dans le cadre d'une recherche qui est la mienne. Je suis forcé de le reconnaître. Voilà. Donc, forcément, il y a des moments où il y a de grandes joies, et puis il y a des moments où il y a des déceptions ou des embarras. Bon, voilà. J'ai voulu rendre compte de ces embarras. Et ensuite, je suis d'accord avec vous, mais c'est tout le problème de... Et c'est un... Enfin, ce que vous disiez, c'est en fait toute l'histoire des rapports entre psychologie et psychanalyse au XXe siècle, et il y a sans doute beaucoup de méchanceté là-dedans aussi, et de choses très compliquées. Voilà, si vous voulez, l'idée d'une... Je pense que ce qui est en jeu, c'est deux articulations différentes de la communauté politique ou de la communauté promise et de l'enfance. Et vous attirez évidemment mon attention sur l'importance de l'intraitable ou de l'irrécupérable, avec une certaine psychologie génétique française qui m'apparaît, c'est l'importance du socle d'indivision ou de fusion en vue de produire ou de reproduire les communautés. Voilà. C'est-à-dire que la communauté promise, elle pourra être effective si nous nous souvenons qu'avant d'être séparés, nous avons été unis. C'est ça le socle. Alors, je pense qu'effectivement, on est là dans quelque chose qui est non lyotardien. C'est-à-dire que c'est, à son sens, ce serait, si, pour autant que je le comprends, ce serait à la fois chrétien et marxiste. Nous avons dépassé l'horaire imparti.